toi. Oui. Bienvenue. Merci, c'est super beau. On a établi ton bilan et on arrive à un point sur lequel tu pouvais t'améliorer, ce sont les équipements. Oui. Donc, au fur et à mesure que mon projet a germé, c'est construit petit à petit. En fait, moi, j'avais toujours en tête de proposer la nourriture en fait, dans de la vaisselle de seconde main, donc de la vaisselle vintage, chinée, sur les brocantes. Donc, j'ai écumé les brocantes pendant une année ou deux afin de me faire un petit stock et puis d'être prête quand j'allais ouvrir pour devoir moins investir en termes de matériel dans de la vaisselle neuve, etc. En gros matériel, j'ai rien acheté neuf. Par contre, je vais m'acheter un lave-vaisselle neuve, clairement. Ok. Ça va. Donc et ça, ça va. Je vais l'acheter neuf parce que plus c'est récent, parfois c'est plus c'est écolo, quoi, parce que les vieux trucs ça consomme parfois plus. Donc les vieux moules, les vieux plats à gâteau, les cloches, etc. Je les ai achetés en brocante, ils sont assez vieux. Les assiettes ici pour les gâteaux, des assiettes à soupe, d'autres petits plats, tout ça, ça a été acheté en brocante. Les tasses à café aussi, voilà, c'est que des choses achetées en seconde main sur des brocantes. Donc, je me suis bien amusée à chercher tout ça. Et puis par ici, toute la décoration qui se trouve sur les étagères, la vieille radio, les jeux pour enfants, j'ai acheté tout ça sur des brocantes, sur des marchés opus.